La formation Découvrir et transposer des techniques innovantes d'élevage vues en Angleterre vise à changer notre regard sur la conduite d'un élevage laitier. C'est une formation qui permet de découvrir de toutes autres techniques et organisations du travail. Elle donne lieu à un voyage d'études en Angleterre de trois jours pour visiter des exploitations bio qui nous surprennent. C'est un peu comme un voyage en Nouvelle-Zélande juste à notre porte car la plupart de ces techniques en sont originaires. Même avec des troupeaux de 300 à 700 vaches laitières, le lait est produit à l'herbe pâturée. Pour cela, les chemins sont un élément clé pour pâturer aux périodes humides. Il y en a souvent deux, un destiné aux animaux et l'autre parallèle pour les gros engins. Nous découvrons des animaux métisses, multicolores, qui assemblent les qualités des différentes races et sont au service de ces éleveurs. Légers pour ne pas abîmer les pâtures, très fertiles, au vélage facile ou rustique. Les vélages groupés permettent de conduire un troupeau au même stade physiologique. Le travail tout au long de l'année est donc très séquencé. Tous les animaux sont taris en même temps et les éleveurs sont ainsi dispensés de traite pendant un à deux mois. Quand les vélages reprennent, il y a des objectifs ambitieux de 50% de vélages en moins de 10 jours, ce qui peut représenter 200 à 300 vélages sur cette période. L'élevage des veaux se retrouve ainsi concentré sur une courte période et la simplification est toujours à l'œuvre. Le lait est distribué dans des bacs à tétines et surtout la mise à l'herbe a lieu parfois dès trois semaines en mars-avril. La phase lactée se poursuit avec un bar à lait mobile qui vient au champ. Les veaux passent peu de temps en bâtiment au bénéfice de leur santé et de leur croissance. Il peut sembler déroutant de les voir pâturer à l'air libre alors que les arbres n'ont pas encore de feuilles. La traite bicotidienne est dominante en France. Et si, pour alléger le travail d'astreinte, on ne la pratiquait qu'une fois par jour Cette monotraite est pratiquée par certains éleveurs rencontrés. Elle n'ampute pas la moitié de la production laitière comme on pourrait le croire, mais seulement 30%. Cette baisse de volume est compensée en partie par l'augmentation des taux. Elle permet aussi aux vaches de mieux réussir la reproduction, ce qui est un paramètre capital quand on souhaite grouper les vélages. La salle de traite est de grande dimension et adaptée au troupeau pour faire une traite de durée raisonnable. Elle peut être simple équipement, non fermée sur les côtés pour limiter les coûts. À la suite de cette formation, chacun a découvert des techniques qu'il va pouvoir mettre en application. Donc nous, ce qu'on va mettre en place, ce sera le pâturage tournant et ce qui va avec, donc les chemins et, et l'abreuvement. Moi, ce que je vais mettre en place sur l'exploitation à mon retour, c'est la mise au pâturage des petits veaux nés dès ce printemps. je C'est que faire véler les vaches toutes en même temps permettait de travailler en bande et de mieux organiser le travail. Découvrez une autre façon de vivre son métier et une vision différente de son élevage à travers des systèmes étonnants, innovants et différents.